Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue à vous dans ce tout nouveau numéro de Zoom Impact, votre programme où nous célébrons et vous faisons découvrir l'accomplissement remarquable des créateurs, des marques et personnalités afro et afro-descendants œuvrant dans la sphère de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Le sujet du jour est consacré à la créatrice sud-africaine Paleza Mokobong. Nous allons nous focaliser pas sur son parcours, mais sur sa collaboration avec la grande enseigne H&M. Paleza Mokobong est une créatrice de mode sud-africaine. Elle est la fondatrice et directrice artistique de Mancho, une marque de mode sud-africaine. Elle est la première créatrice africaine à collaborer avec la chaîne de magasins suédoise de prêt-à-porter pour femmes et enfants H&M. Afin de créer une collection, la maison Mancho, fondée par la designer Paleza Mokobong en 2004, la marque a défilé en Inde, aux États-Unis, au Sénégal, à la Dakar Fashion Week notamment. Elle s'associe avec le géant suédois H&M le temps d'une collection de vêtements et d'accessoires destinés aux femmes. Paleza Mokobong a déclaré au journal sud-africain Sunday Times que la collaboration avec H&M concernant essentiellement les femmes parce que les femmes ont tellement de rôles vitaux à jouer dans la société, la famille et les affaires. En tant que femme, elle sait qu'une bonne tenue peut vous faire sentir confiante, puissante et imparable. Il y a quelque chose dans un vêtement Mancho qui flatte le corps d'une femme, qui change la façon dont une femme regarde et se sent d'elle-même. C'est tellement important. Pernilla Wolford, directrice de l'offre pour les collaborations et collections spéciales chez H&M, déclare ceci. Paleza Mokobong est une designer talentueuse et inspirante. Nous aimons particulièrement sa vision moderne et pointue et son travail sur les couleurs, les imprimés et les coupes, qui mettent en valeur la silhouette féminine d'une manière flatteuse et originale. Le 15 août 2019, la collaboration Mancho H&M a été lancée dans les magasins H&M sud-africains, les marchés en ligne et les magasins phares exclusifs du monde entier. La collection vibrante célèbre l'élégance et la diversité de l'Afrique avec des designs modernes et avant-gardistes créés pour la femme élégante et insouciante. La créatrice de mode dit avoir retenu une leçon de cette collaboration. Celle-ci, il ne s'agit pas de compromettre qui vous êtes et ce que vous avez à offrir, peu importe qui ou ce qui est impliqué. La rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire indispensable pour travailler dans la mode ou juste pour étoffer sa culture générale. Aujourd'hui, nous abordons le concept de co-branding ou la collaboration. Il est désormais très fréquent d'entendre ce terme, mais qu'est-ce que c'est? L'idée est de réunir deux noms de stylistes ou de marques, d'artistes ou autres afin de créer une collection capsule. Alliez les forces de deux entités et vous les rendez encore plus fortes. On peut ainsi citer la très inattendue collaboration entre Louis Vuitton et Supreme dont tout le monde a parlé. Parfois, on voit aussi apparaître des co-branding entre deux secteurs totalement différents, comme par exemple Hermès et l'Apple Watch. Pépite du web. Notre pépite aujourd'hui est l'acteur et mannequin d'origine ivoirienne Yannick Kono. Son feed Instagram est digne de magazine Lifestyle. Si vous manquez d'inspiration pour vos outfits, faites-y un tour. Un véritable entertainer aussi, ses interviews se passent avec des rires. Donc on va mettre un beat et puis tu vas danser. Tu vas te rappeler hein, des anciens pas de... Oh, laisse, c'est gâté mon vieux. C'est gâté, non. Attito, vas-y. Ça, c'est le deuxième. C'est la musique ou pas? Donc, non, toi, tu es bloqué d'abord. Parce qu'il y a un point qui est bloqué, voilà. Okay. Tu es bloqué. Moi, et puis, tu as le regard comme ça. Là-bas, à la caméra. Voilà, avec le sourire. Donc, moi, je suis la première entrée. Je viens. Tu me dis quand je bouge, hein? Donc, je suis sorti. Normalement, je sors. Deuxième entrée, au show! Allez, c'est moi ou pas? Ouais, vas-y, au show. Hey, c'est le pape qui est là. Hey,
Bima. Et puis après, pour la fin maintenant, on arrive comme ça. On se souvient, on se souvient. Paris et Toscop. Et puis le public fait wow. C'est la fin de cet épisode de Zoom Impact. Merci à vous de l'avoir suivi. Bien sûr, retrouvez tous nos contenus et bien sûr ceux de Zoom Impact sur la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous.